Bon, il faut que je prenne ma guitare et le chapeau que Steph m'a filé. Ok, faut que je prenne mon chapeau. Je t'ai toujours pas ouvert. Il doit y avoir une clé quelque part. Steph, je vais te tuer. J'aurais dû suivre le conseil de Steph. Ah. On approche du but. Un cadeau de bienvenue de la part d'Eleanor. Elle m'a dit que Gabe les adorait. Il a pas... Le voilà. Ouais, j'ai pas envie de savoir à quoi ça servait. Mi-humain, mi-camion Ben. Je connais ça. Encore une canette cachée de Gabe. Quel bêta. Oh merde. La plume a dû tomber du chapeau. Je peux peut-être la retrouver. Les effets personnels de Gabe récupérés chez le légiste. Pike les a déposés il y a quelques jours. J'ai tout fait pour éviter de les trier. Ok. Je compte pas encore abandonner Gabe. Je ferais mieux de trouver cette plume. Steph est une maniaque des détails. Je sais que c'est le jeu des tannes. Je suis au niveau 73, et je m'arrêterai pas. J'ai trouvé des photos adorables de Gabe et Ethan là-dessus. Alex le Bard, à votre service. Il faut que j'y aille. Ça devait être celui de Gabe. La liste est longue, mais je parie qu'il l'aurait faite en entier. Wow, Gabe. Tu trouves encore le moyen de me briser le cœur, hein? Un jour, j'arrêterai de squatter. En attendant, je lui suis reconnaissante.
Salut. J'ai pas besoin que... qu'on me remonte le moral, tu sais. D'accord. Je t'avoue que c'était peut-être pas l'idée la plus subtile qui soit, mais... Gabe avait tellement hâte de faire ce GN avec toi. Ça lui ferait vraiment plaisir que tu le fasses. J'ai envie de le faire. C'est juste que... Tout le monde a fait des efforts. Et si je suis pas content, tout le monde sera déçu. Ça doit te faire bizarre, d'avoir tous ces adultes qui te mettent la pression, qui te poussent à te déguiser et à faire semblant de t'amuser. Ouais. Surtout maman. Elle a l'air tellement... triste. Parce que je suis genre déprimée. Mais... je peux pas faire semblant. Alors, fais pas semblant. Sois toi-même. Enfin, toi-même, mais avec une épée en mousse et un drôle de chapeau. Mais... et si je... enfin... si je m'amuse toujours pas? Tant pis. Au fond, c'est pas grave. Personne sera déçu si t'es vraiment toi-même. D'accord. Mais je veux pas le faire tout seul. Il faut que tu m'aides. Bien sûr. Taynor, le pourfendeur de monstres. Que les dieux et le ciel soient loués, tu es venu. J'ai désespérément besoin d'un grand héros. Se pourrait-il que ce soit toi? Je t'en prie, conte-moi tes exploits. Bah, y en a pas mal. Peut-être que mon barde peut vous les chanter? Ouais. Une horde d'ogres? Ça en fait beaucoup! Taynor les a aussi en un seul coup. Dieu du ciel. Tu dois être Allegra, le barde de Taynor dont les chansons ont des propriétés magiques. On dirait que vous êtes précisément les héros dont j'ai besoin. Je suis le roi Tabor. L'âge des monstres s'est abattu sur mon royaume. D'horribles créatures arpentent nos rues. Mon peuple vit dans la peur constante d'être attaqué. Mais il y a un espoir. Une prophétie ancienne décrit trois joyaux mystérieux, appelés les joyaux d'âme, dont dépend notre salut. Je vous demande d'explorer le royaume, de survivre aux dangers qui y rôdent, et de me rapporter ces joyaux. Avez-vous bien compris? Ouais. Oui. Bien. Vous devez y aller, maintenant. Mon peuple compte sur vous. Tu veux qu'on commence par la Grand Rue? D'accord. C'est l'heure d'aller chercher des joyaux. C'est plutôt excitant, tout ça. Thank you.
Vous avez la... Comment on sait où chercher? Je pense pas qu'on puisse le savoir. C'est une véritable aventure. Oh! C'est quoi ça? C'est un parchemin magique qu'on peut utiliser pendant les combats. Oh, génial! Il faut qu'on en trouve le plus possible. Bon. C'est un loup. Un loup sinistre. Merde, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'affronter. Incandescente. Un point de dégâts. Et tu flambes pendant les deux prochains tours. Hymne éloquent. La prochaine attaque de Ténor est doublée. Deux points de dégâts. Ah, je flambe encore. Quatre points de dégâts. Du butin. Oh cool! J'ai appris une attaque magique. Un point de dégâts pour les alliés? J'ai intérêt à être gentil avec Ténor. On continue. Elle sert à quoi cette clé, à ton avis? Elle ouvre peut-être quelque chose dans un de ses magasins? Allons à la pêche. C'est mignon. T'as trouvé un parchemin? Ouais. À bientôt fourré à la glace à la pêche. Encore un autre parchemin. Cool! On dirait que le Black Lantern participe au GN. Désolé, mais faut qu'on retourne à notre quête. Sans rancune, ami Bard. Wow, c'est quoi ça? On dirait que t'as perdu quelque chose, Diane. Tu veux jeter un œil là-dedans? Ouais. On y va.
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, d'autres survivants, on dirait. Est-ce que c'est vous, le barman? Non. Le monstre a mangé tout le personnel. Il faudra qu'on se serve nous-mêmes. Vous savez à quoi sert cette clé? Elle appartenait à Barry, le tavernier. C'est sa jambe, là-bas. Ah. Alors, si vous voulez essayer toutes les serrures, je suis sûr qu'il ne vous arrêtera pas. Voyons ce qu'on peut trouver par ici. J'ai mal pour la victime, en fait. Taynor, t'as vu ça? Ça doit être la bonne serrure. C'est un des joyaux! On en a un, flic deux. C'était pas trop dur, si. Maintenant, je pense qu'on arrivera à trouver les autres. Content que tu aies enfin... Ce royaume a de sérieux soucis. Oh là là, je crois que Ducky a fait tomber ça. Il y a un souci du détail incroyable dans ce GN. Steph a pensé à tout. Elle est extraordinaire. On dirait que Laurence va devoir se trouver un nouveau conseiller d'entreprise. Qu'est-ce qui est arrivé au reste de la partition ? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de la partition ? Maintenant que j'y pense, c'est évident que c'est un leurre. Steph a vraiment mis le paquet ici. J'ai eu un éclair de génie en persuadant Steph de laisser mon personnage seul derrière le bar. Ses boissons à volonté. Je sais pas trop quoi en penser. Oui ? Tu veux lui parler de notre quête ? Nous menons une quête pour mettre fin à l'âge des monstres, pour que vous n'ayez plus à vivre dans la crainte. Tiens donc. Laissez-moi vous donner quelque chose. Cela pourrait vous être utile. Merci. J'ai envie de dire qu'on va tomber sur un serpent. Je vois que vous vous êtes servi une bière.
Vous venez juste de survivre à une attaque de monstres. Vous méritez bien quelques verres offerts par la maison. Une sagesse étonnante, vu votre jeune âge. Comment vous avez survécu à l'attaque ? Eh bien, je n'en suis guère fier, mais j'ai fait un croc en jambe à une vieille femme. Elle l'a bien mérité, cette vieille peau avare qui faisait la vaisselle. On va continuer de chercher. Bonne chance. On va devoir s'en occuper, pas vrai ? T'as vu cet avertissement ? Ouais, au revoir. Bonne route ! Regarde ce que j'ai trouvé dans ce coffre. Bien joué, Taynor. Il y avait plein de choses super intéressantes là-dedans. Quelque chose dans cette allée ? Ça serait bien si on pouvait retourner à la taverne, un jour où il y a du monde. Mais il y avait déjà plein de monde. Je parle de gens vivants, évidemment. Ces soi-disant héros sont certainement les pires d'entre tous. 1, 2, 3... Je me contrôle, moi. Vous avez l'air de goûter à l'aventure. La pie pourrait peut-être vous équiper. Est-ce que tout va bien ? Vous avez l'air un peu... grognon. J'ai oublié les composants. Bah, quelle chienne de vie ! D'être forgeron alors que nous sommes envahis de monstres. Wow ! Il est vraiment à fond dans son rôle. Si on les trouve, on vous préviendra. Je ne me fais pas d'illusions. Ça fait chaud au cœur de voir combien de gens Steph a réussi à rameuter. Je parie qu'il y a quelque chose de marrant dans le magasin de disques. Je me demande si Riley avance avec la clé USB. Ça t'ennuie si je m'arrête ici vite fait ? Je dois... renouveler mon abonnement à la guilde des bardes. Ouais. Vas-y.